Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les équipements du cycloclub de Grenoble. Donc aujourd'hui je vais vous présenter bien sûr la combinaison intégrale du cycloclub de Grenoble et bien sûr la veste longue que j'ai à côté. Voici la veste et la combinaison intégrale du cycloclub de Grenoble. Donc là je vais vous la montrer un petit peu de derrière. Voilà, donc ça c'est la combinaison intégrale vue de derrière, combinaison intégrale du cycloclub de Grenoble. Alors je sais pas si on la voit bien, mais voilà un petit peu comment ça donne. Voilà, avec un petit peu de recul peut-être que vous allez voir ça correctement. Donc voilà la combinaison, en tout cas je vous mettrai une photo avec laquelle j'ai pu cette année courir, moi, Florian, et je crois qu'on était les deux seuls à courir avec une combinaison cette année. Donc point fort de cette combinaison, c'est la dernière combinaison que j'ai eue il y a un mois et demi, donc j'ai couru deux courses avec. Donc point fort par rapport à la combinaison 2021, c'est que cette combinaison 2022 n'est plus en nid d'abeille. Donc nid d'abeille, je rappelle pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est vraiment très respirant, c'est-à-dire que limite transparente, on voyait limite un petit peu le corps, mais bon, pas non plus, on n'était pas non plus tout nu, mais on voyait un petit peu le corps, et celle-là est un peu plus mate, toujours en nid d'abeille, mais avec un tissu derrière, et très bon, et franchement pour l'avoir utilisé cette année, c'est vraiment une combinaison qui est vraiment top. Elle est, on respire bien, elle est légère, voilà, c'est top. Donc notre équipementier, alors juste voilà notre équipementier, donc ça vue de devant, hein, donc là je la mets bien sûr vue de face. Donc notre équipementier est bien sûr Garuda qui a équipé le cycloclub de Gournan, le cycloclub de, si c'est révélateur, mais peut-être qu'un jour on sera comme eux, on ne sait pas, mais le CC Nogent-sur-Oise, le cycloclub Nogent-sur-Oise qui est dans l'Oise, donc en D1, un club assez connu en élite, Pavie-Barentin en D2 si je ne me trompe pas, et aussi ils ont aussi équipé François Pervis qu'on ne présente plus, qui a été plein de fois champion du monde et je crois champion olympique. Alors la veste longue, ça se met à plus de 10 degrés, hein. Ça, on met pas l'hiver, c'est pas une veste thermique, c'est juste une veste longue. Donc ça c'était la première année, donc le jaune il est pas pareil, là maintenant on a un jaune un peu plus fluo, là on avait un jaune un peu orangé. Donc ça c'était dès qu'on a créé le club, on a eu les premiers vêtements, ils étaient comme ça, donc le jaune est un peu plus orangé. Et donc voilà, cette veste là, franchement elle est top, ça fait quand même 2 ans qu'on l'a et elle bouge pas, donc quand même voilà, je tiens à quand même à remercier. Prochaine vidéo, je vous parlerai bien sûr du casque qui est là. Donc là, vous le voyez pas, mais le casque, bon, vous l'avez peut-être vu sur les photos Facebook, c'est le casque laser de la Jumbo. Donc je le présenterai quand même en détail parce que c'est un casque qui coûte très très cher. J'en bégaye encore parce que je suis content de refaire des vidéos YouTube. Il faut que je reprenne la main parce que c'est compliqué en 2 ans de temps, même en 10 ans de temps. Pas en 10 ans, mais peut-être en 3-4 ans, j'ai quand même perdu un petit peu. Donc le casque laser que je vais présenter, le vélo ça va, que j'aurais dû présenter, je vais faire une vidéo sympathique, en plus avec une nouvelle caméra, mais ça c'est pas mon domaine, la DJ Pocket 2, donc pour filmer même les entraînements, les courses de vélo, on sera en immersion totale, ça va être très très bien, on n'a pas besoin d'avoir un gros bloc, pour le sport, la DJ Pocket 2 fera le travail. Donc je suis très enthousiaste de pouvoir continuer et de refaire des vidéos sur le cyclocom de Grenoble. Bonne soirée à toi, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, ciao, bye.